On n'a pas pu prendre le petit déjeuner. Je me suis dit pourquoi ne pas m'arrêter à Niakara. C'est une ville que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Donc on a juste fait l'escale pour prendre rapidement un café et puis reprendre le chemin. Madia, vous avez mangé. Mais toute cette région, je la connais très bien. C'est là que j'ai grandi. À l'époque, il y avait les voitures, la Peugeot 504, qui faisait le transport Ferke-Bouaké. Et moi, j'étais en 6e au petit séminaire de Katchola. Régulièrement, on faisait cette voie-là. Et bien souvent, on s'arrêtait à Niakara pour nous désaltérer. C'est toute une opportunité pour nous, la toute première fois de voir Solo Guillaume en face. Je pense que c'est bien de laisser tout voir par les gens. Il faut qu'on le touche. On ne fait que le voir à la télévision. Si c'est une première fois de passer à Niakara, il faut qu'on le touche. Le Nord, c'est incroyable. Le temps, l'armatan, vous voyez ces périodes-là. On se réveillait très tôt autour d'un feu qu'on allumait pour se réchauffer un peu. C'était des périodes de ma vie très très intéressantes. C'est sympa, hein? C'est sympa. Sinon, venir prendre un café dans un kiosque public comme ça, c'est dit lui-même, les prêts à partager avec la population. Nous aussi, on est avec lui. Hein? On est avec lui. Allez, kiffe, mon vieux. Allez, toi. Donne-moi de l'eau. Une leçon que j'ai retenue, mon père, je crois que c'était le jeudi et le week-end où on n'allait pas à l'école. Et mon père nous conduisait au champ. Il nous a appris à aimer la terre, l'amour de la terre. Et pour argument, il nous disait, au moins vous aurez un métier. C'est pourquoi au village, j'ai aussi un champ. Je fais un peu de tout. Et cet attachement à la terre m'est resté. J'ai même des promotionnaires qui ont été prêts ici à Niakara. Donc c'est une ville que je connais très bien, que j'aime bien. Alors, entre Katchola et Ferke, vous avez comme grande ville Niakara et Tafiré. Donc j'ai préféré m'arrêter à Niakara. C'est un gars qui aime les jeunes. Voilà. Les jeunes ne s'aiment pas. Mais s'il est sorti, il va voir ses frères les toucher à main, ça vaut mieux. On veut les voir les toucher. Je suis trop content. Je suis fier de voir ça. J'ai vu, c'est la première fois. Deux mecs qui le voient sur la dans ma vie. On entend Soro. On veut te voir. On veut te toucher, on veut te sentir, on veut te toucher. C'est lui qu'on veut. Il est capable de renouer les enfants de la Côte d'Ivoire, les enfants de Félix Houphouët-Boigny, comme Félix Houphouët-Boigny l'a fait. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui rassemble les gens. Il s'en fout de quelqu'un. Tu as vu, on faut voir où il est venu s'arrêter, à Niakara ici. C'est un homme, c'est quelqu'un qui veut de nous. Je suis venu, je vais te voir. Est-ce que je vais te voir?